bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition spéciale consacrée, bien évidemment, à l'emprisonnement de la youtubeuse Sybille LMDS après une dénonciation suite à un live fait sur YouTube. La rédaction est mobilisée. Avec nos envoyés spéciaux aux quatre coins du territoire, nous ferons le point sur la situation et cet acte de délation et nous poserons la question, mais où va le monde en 2022 ? L'heure est grave. L'heure est très grave. On a voulu me mettre en prison. Alors, bien sûr, prison, c'est une boutade, mais c'est quand même grave. Alors, je vous explique. Je fais des lives régulièrement et j'ai toujours 7 personnes qui sont là. Et quand il y a... Alors, j'ai des preuves à l'appui, des milliers de preuves, hein, énormément. Et quand il y a un commentaire, des fois, je les regarde plus. Il y a 7 pouces... 5 pouces ou 7 pouces en l'air. Voilà, sur un commentaire. Vous avez déjà vu ça, vous? Un commentaire désastreux, il y a 7 pouces en l'air. Donc, on connaît bien, hein, c'est la clique, quoi. C'est une clique. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une clique. J'ai des doutes. Et donc, du coup, eh bien, ces 7 personnes me regardent toujours en live. Elles sont les premières arrivées, hein. Premières arrivées tout le temps. Elles ne mettent jamais de pouces en l'air, mais elles sont toujours là. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas ma chaîne. Et si vous m'aimez, mettez un pouce pour que je sache que vous m'aimez bien. Donc, je sais qu'elles ne m'aiment pas, elles sont là pour autre chose. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, ça, c'est le pompon du... Le pompon du pompon. Il y a de la délation dans l'air. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ces personnes-là, elles vous auraient enfermé, elles vous auraient dénoncé, elles vous auraient mis, elles vous auraient dit, elles vous, je ne veux pas aller au-delà parce que c'est horrible, mais franchement, c'est exactement ça. C'est de la délation, c'est la Gestapo, quoi. C'est un truc de fou, hein. Maintenant, je vais vous expliquer. Et dommage, franchement, dommage. C'est dommage, mais c'est dommage pour vous. La belle vie, j'adore. C'est pas parce que j'étais très en colère contre une livraison que je suis contre telle et telle personne. Et quand bien même on m'a donné le nom de la personne, je ne le savais pas. Et bon, bah, moi, dans l'euphorie et tout ça, j'étais en colère, donc du coup, j'ai dit le nom. Mais heureusement, elle m'a demandé d'enlever la vidéo. Elle a raison. Elle a raison. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais que c'est des personnes mal intentionnées, bienveillantes pour elles, mais malveillantes pour moi. Voilà, pourquoi? Parce que ce sont des personnes, eh ben, c'est comme la Gestapo, quoi. Mais vous savez quoi? Mais allez postuler. Pourquoi vous n'allez pas postuler? Postuler, parce que là, en ce moment, avec tout ce qui va se passer, allez dénoncer, hein. Mais oui, c'est ça, maintenant. Maintenant, c'est ça, c'est la dénonciation. On va dénoncer. C'est un truc de fou, hein. Ils ont voulu me mettre comme ça, en prison, me dénoncer. Eh ben non. Mais non, pas du tout. Parce que sincèrement, déjà, et d'une, la belle vie, j'adore. J'ai toujours adoré. C'est pas parce que j'ai eu une livraison ou deux, trois livraisons qui ont été défectueuses que je vais arrêter de commander. Sur le coup, j'ai dit je vais arrêter, mais on a le droit de changer d'avis. Voilà. Et j'aime beaucoup cette personne énormément et qui a été bienveillante, en fait. Voilà, pour moi, qui a été bienveillante pour le coup et qui a dit... que c'était des personnes qui ont mis la chatte exprès, qui ne commandaient pas à la belle vie. Faut le faire. Voilà. Donc on a compris, hein. Mais c'est bête, franchement, vous n'avez pas autre chose à faire. Je sais pas, moi, mais il y a tellement de choses à faire dans la vie que d'aller critiquer des gens. Dès que vous arrivez, dès que je fais un live, hop, il y a 7 personnes qui arrivent tout de suite. Et qui ne mettent pas des pouces en l'air, donc c'est bien ce que ça veut dire, quoi. Mais sincèrement, je comprends pas, quoi. La vie est déjà assez compliquée comme ça, vous la compliquez encore plus que ça. Voilà, mais moi je m'en fous, vous pouvez dénoncer qui vous pouvez dénoncer ce que je veux, moi je n'ai strictement rien à me reprocher. Et j'ai même dit à la personne que j'étais désolée parce que je ne savais pas que j'avais dit son nom, que j'étais archi désolée. Et quant aux personnes qui pensent que
La belle vie va me faire des problèmes. Non, parce que la belle vie, depuis 2015, je commande. Je fais de la pub sans vouloir parce que je n'ai jamais rien demandé pour eux. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre truc. Ça va vous faire... Charal. Vous devriez écrire à Charal. Ben oui, parce que Charal, j'ai acheté deux entrecôtes que j'ai payées assez cher. Et elles étaient très dures. Donc, j'ai téléphoné à Charal. Voilà. Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Donc voilà, j'ai envoyé ce qu'il fallait. Et j'ai demandé, je pense qu'ils vont faire un beau geste commercial. Voilà. Oui, bah, que ça vous embête ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, je ne me laisse pas faire et je me suis jamais laissé faire. Et quant à l'histoire qu'il n'y a pas une procédure, il y a bien une procédure en cours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est en cours. Et vous savez bien que des procédures, ça peut durer très longtemps. Donc voilà. Donc ce que je vais vous dire, comme ça, je m'en fous. Vous voulez me mettre derrière les barreaux, vous voulez faire ce que vous voulez, vous avez que ça à foutre. C'est votre problème, c'est pas le mien. Je ne m'adresse à personne, je m'adresse aux 7 personnes qui à chaque fois mettent des pouces sur une discussion, on sait très bien. Je m'en fous, j'ai des tas de preuves à l'appui, je m'en fiche. Mais franchement, je m'en fous royalement. Mais de la délation quand même. Mais vous rendez compte, la délation c'est de la Gestapo, vous allez dénoncer. Vous allez dénoncer votre voisin, votre père, votre mère. Ce que vous allez faire, vous allez dénoncer. Parce que si vous faites ça, vous faites ça pour d'autres choses. Donc moi, franchement, ma vie, je suis heureuse comme je suis. Et honnêtement, votre délation, je m'en... Voilà, tout simplement. Vous pouvez essayer de signaler ma vidéo. Une fois, on a voulu signaler ma vidéo parce que c'était sexuel, je ne sais pas quoi. Il n'y avait rien du tout de ça. Voilà. Donc, en l'occurrence, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous faire rire. Ce matin, ma petite puce a mangé mon soutien-gorge. Voilà. Donc, j'ai qu'une bretelle. Voilà. La bretelle, elle est cassée. Et l'autre, il y en avait deux, heureusement. Voilà. Elle a mangé la bretelle de soutien-gorge. Voilà, c'est un petit peu d'humour. Si vous voulez aller dire « Ouais, elle a montré, gnagnagna, les pattes en l'air, gnagnagna », allez-y, je m'en fous. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. Vous ne faites pas partie de ma vie. Donc, je m'en fous royal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez monter le Nil, vous pouvez redescendre. Ça m'est égal. Vous pouvez agrafer la perruque sur la tête de votre mère. Je m'en fous complètement. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous littéralement. Voilà. Moi... Ma chaîne, c'est une chaîne de communauté, c'est une chaîne de joie, de bonheur et pas de délation, voilà, tout simplement, et de Gestapo. C'est triste, hein, franchement, c'est triste d'en arriver là, hein. Franchement, voilà, c'est vraiment triste. Moi, je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fous complètement. Écoutez, moi sur ce, alors mes nouveaux abonnés, ben voyez, c'est pas évident, hein, tous les jours, hein, y a des trucs comme ça, parce que voilà, j'ai une procédure en cours. Parce que j'ai subi du cyberharcèlement et avec acharnement. Et que là, pour l'instant, je suis tranquille, donc c'est cool. Mais il y a autre chose, voilà, qui arrive. Voilà, bon. Bah écoutez, vous n'aurez pas réussi, hein. Parce que grâce à vous, j'ai contacté la personne et je lui ai dit que j'étais désolée. Merci beaucoup d'ailleurs. Je lui ai dit que j'étais désolée parce que je ne savais pas que j'avais dit son nom et c'était tout à fait normal. Vous savez, moi, j'en ai rien à foutre de la monétisation, j'en ai rien à faire de nombre de vues. Moi, ce qui compte, c'est le cœur, ce qu'on échange entre nous. Votre cœur, mon cœur. On est un cœur uni. Comme je vous dis, on est uni. Mais apparemment, il y en a qui ne veulent pas être unis, qui veulent enfermer comme ça. Ouais. Voilà. C'est leur problème. Moi, je suis très bien dans ma vie, je ne pense pas que vous l'êtes. Honnêtement, je pense pas que vous êtes bien. Je pense pas. Je pense que j'ai pitié pour vous à la limite parce que ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine. Moi, perso, j'en ai rien à foutre, mais ça me fait de la peine pour vous. Voilà, j'ai même prié pour vous, voyez. Je vais être gentille. Hein. Ben voilà, je vais prier pour eux, pour leur bonheur, parce que franchement, ils en ont vraiment besoin. Voilà. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Je suis pas comme ça, moi. Moi, je ne suis pas une personne méchante. Mon ennemi, mes ennemis, j'en ai pas. Et le peu d'ennemis que j'ai, eh bien, je vais prier pour eux, pour leur bonheur. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie vie. C'est pas être méchante.
C'est pas être de faire de la délation, c'est pas faire la Gestapo. Genre votre voisin, il va pas être vacciné, vous allez le dénoncer. C'est tout à fait ce que vous êtes, mais non. Votre mère ou votre père, ils vont pas vouloir se faire vacciner. Vous allez les dénoncer. C'est exactement ce que vous allez faire. Surtout que si l'État vous donne de l'argent, vous allez le faire. Et ben ça, c'est pas ma vie. Alors, qu'est-ce que vous allez à faire dans ma chaîne? Rien. Vous n'avez rien à faire dans ma chaîne. Ma chaîne, ce n'est pas la vôtre. Voilà, vous voulez que critiquer, faites que ça. À mon avis, vous ne faites pas que sur moi, vous faites sur plein d'autres personnes, je pense. Voilà, vous n'avez que ça à faire. C'est dommage pour vous. Voilà. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais là, j'avais vraiment besoin de vous le faire et de vous montrer... cette idiotie, ces imbécilités, c'est... Voilà. J'avais vraiment besoin de vous montrer ça. C'est n'importe quoi. Comme quoi, méfiez-vous de YouTube. Il faut être très forte pour être sur YouTube. Si vous voulez faire une chaîne YouTube, eh bien, soyez forte. Moi, je suis extrêmement forte. Et on s'en fout de ceux qui vont nous dénoncer, de ceux qui vont faire des choses méchantes. On s'en fout. On s'en fout. Parce que le karma va leur tomber dessus. Et quand le karma va leur tomber dessus, croyez-moi, ça va faire des dégâts. Voilà. Et on les verra peut-être même plus d'ailleurs. Parce qu'ils seront en train de se soigner ou j'en sais rien. Voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Et les 7 qui ne me mettent jamais de pouce en l'air, eh ben, passez votre vie à faire autre chose, quoi. Aimez votre proche. Aimez vos prochains. Aimez votre mère, aimez votre père, aimez vos enfants, aimez vos animaux. Aimez la vie, tout simplement, même si elle est très dure en ce moment. Bon, allez, sur ce, on va à une note positive. Je garde le sourire. Tiens, bah, je vais prendre une carte. Allez, allez, je prends une carte. Une seule. Ok, une seule. C'est pas pour moi, c'est pour les détracteurs. Il y a une carte qui est sortie, donc je la prends. Qui ont fait de la délation. Voilà. Gestapo. Allez, on va regarder. Hein. Peut-être ça va vous porter bonheur. Hein. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Alors, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Confirmez, allez de l'avant. Ben voilà. Allez de l'avant, occupez-vous de vos fesses. Voilà, tout simplement. Et ben voilà la carte que j'ai tirée. Allez, voyez, je vous ai dit, je ne suis pas méchante. Je prie pour votre bonheur. Mais occupez-vous de vos affaires au lieu de vous occuper de celles des autres. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je pense que j'ai fait ma petite vidéo coup de gueule. On a voulu me mettre en prison. On a voulu me dénoncer. Allez, bisous. N'oubliez pas, mettez des petits pouces et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.